Et yo, bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue tout d'abord dans Fuser, un jeu musical où on doit jouer les DJ. Alors je vais vous faire une présentation complète de ce jeu. Il est développé par le studio Harmonix Music System et il est édité par NC Soft. Alors ce jeu, ça fait 20 heures que j'y ai joué. Et j'ai essayé de mettre sur YouTube, mais il n'y a rien à faire. Ce n'est pas du tout monétisable à cause des droits d'auteur. À tout bout de champ, chaque chanson appartient aux artistes. On ne peut rien du tout monétiser. Donc je vous le présente et je le mets en ligne sur YouTube uniquement pour le plaisir des yeux et des oreilles, hein, pour écouter de la musique. Mais sachez que ce n'est pas du tout monétisable, c'est interdit. Tous les morceaux pratiquement sont interdits à cause des droits d'auteur. Et donc si je m'amuse à couper tous les morceaux pour éviter les droits d'auteur, le jeu ne ressemblerait plus à rien, d'accord? Donc on va y aller, je vais vous présenter l'intérieur du jeu. Alors, sachez avant tout, je vais vous montrer d'abord les campagnes de ce que j'ai fait. Et après, je vais vous montrer. Voilà. Ici, on a 6 chapitres. D'accord? Moi, j'ai fait déjà 3 chapitres. J'en suis arrivé à la moitié du troisième chapitre. Et dans chaque chapitre, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7. 7 à l'intérieur, il y a 6 sets, ce qu'on appelle un set comme au tennis, et on a au début chaque présentation de managers qui vont nous manager, d'accord? Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 7, ça fait quand même 42 morceaux d'histoire à jouer. Voilà, donc ça c'est la campagne. Je vais vous montrer vite fait, voilà, vite fait. Hein, de ce que j'ai joué. Ici, 2 étoiles à peine, ici 6 étoiles, pas savoir pourquoi. Parfois, je crois que je perds et je gagne. Parfois, je crois que je gagne et je perds. Ici, voilà, ici c'est extrêmement difficile. Là, on approche la fin de la campagne. C'est extrêmement difficile. On a aussi le mode freestyle que j'ai mis en ligne pour vous. On peut jouer librement et j'ai mis en ligne pour vous une démonstration. Évidemment, pareil, problème de droit d'auteur, on peut rien faire à ça. Mais si on veut avoir le plaisir d'écouter n'importe où, et ben, il faut laisser sur YouTube, il faut laisser en ligne, d'accord? Ici, il y a le freestyle coopératif, j'ai pas encore commencé. Ici, il y a les battles, j'ai pas commencé non plus. Le social, j'ai pas encore essayé. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ici, on a donc ici il y a la personnalisation que je vais vous présenter dans quelques instants. La boutique. Ici c'est la boutique. Donc voilà, c'est le lien direct de la boutique où on peut acheter les chansons. Et ce qui est fort dommage pour nous, c'est qu'on achète les titres à 2 euros et on ne peut pas les diffuser librement sur YouTube, et ça, je dirais que c'est à la fin normal et pas normal. Évidemment, une chanson ne s'achète pas à 2 euros. Hein, regardez, toutes les chansons sont à 2 euros. C'est ni peu ni beaucoup, hein, pour ceux qui aiment, pour ceux qui s'amusent. Après, moi je suis pas grand YouTubeur, je l'ai pas eu gratuitement. Le jeu complet vaut pour l'instant 100 euros. Voilà, vaut 100 euros et ensuite on ajoute les chansons. D'ici quelques années, ça peut valoir 2000 euros le jeu, quoi. D'accord? Et donc voilà, là on peut partager les mix. Je ne veux pas vous montrer, ça sert à rien. Ça, c'est le mix des autres. Tiens, je vais vous le montrer quand même vite fait. Par exemple, ils ont joué le morceau et ensuite ils ont enregistré et nous, on peut l'écouter. Voilà. On peut l'écouter, on peut liker, on peut. Oh, lui, il a eu 1000 likes déjà, vous voyez? Voilà, je vais.
Voilà, ok, on revient en arrière pour nous. Voilà, quitter, quitter. Voilà. Là, on revient dans le jeu, dans notre jeu. Je vais vous montrer la personnalisation et ensuite on va attaquer le premier chapitre. Alors, ici, on a les bacs de disques, c'est ce qu'on vient de voir dans la boutique. Non, pas tout à fait. Ça, c'est le bac de disques, voilà. Ici, c'est ce que nous allons jouer, hein. On a un, deux, voire trois listes quand on arrive vers la fin du des six chapitres. Ici, on a les chansons qui sont proposées en bas, qu'on doit acheter avec nos points. Nos points, lorsqu'on joue, on gagne. Au départ, ils nous donnent 2000 points. Et j'ai déjà acheté en gagnant de l'expérience, de l'XP. Et j'ai déjà acheté pas mal de chansons, mais il y en a encore beaucoup, 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 beaucoup. D'accord? Voilà. Et c'est pas complet encore. Il y a encore la liste sur Steam. D'ailleurs, le jeu coûte 60 euros, hein, je ne vous l'ai pas dit au départ. Ici, on peut acheter des accessoires, genre des lunettes, des vêtements, que je vais vous montrer immédiatement, sans plus tarder, dans les tenues. Voilà, ici. Ici, c'est ma tenue, donc c'est moi qui ai choisi. Ici, on a les corps, les corpulences. On a musclé, on a un peu forte, un peu ronde, légèrement ronde. Voilà, j'aime bien les femmes dodues, hein, avec un peu de forme comme elles. Sinon, on peut prendre cette forme-là. Voilà. Donc ça, c'est la corpulence. Ici, on a les visages. J'ai choisi celui-là. Après, c'est vous qui décidez, hein. On voit comme ça, mais en fait, quand on maquille bien avec les ensembles des accessoires, les cheveux et tout, ça donne bien quand même, hein. Ici, on a les cheveux, toutes sortes de cheveux. Je vous laisse regarder. Je vais pas cliquer dessus parce qu'après, il faut que je change la couleur. Voilà. D'accord? Et ici, on a les sourcils. Voilà, il y a du gros, du fin, du long, du court. Comme ça. Ensuite, on a les yeux, la couleur des yeux, on peut mettre ce qu'on veut. J'ai choisi violet pour être fun, hein, parce que j'aime bien la couleur violette. Ici, on a les barbes, mais ça c'est pour les hommes. Mais si vous voulez être fun, vous pouvez le faire aussi. Regardez, ça donne ça. Ça donne ça. Ça donne ça. Ça c'est fun, ça, c'est pas mal. Mais bon, pour l'instant, j'ai envie d'être sérieux, j'ai pas envie d'être fun. Voilà, on va laisser comme ça. Et de ce côté-là, on a les chapeaux en tout genre. Hein. Moi, j'ai pris le chapeau, enfin la casquette, voilà, sans le dessus. Ça s'appelle une visière de sport, d'accord, ok. Voilà, ça, je peux tester pour vous vite fait. Ça donne ça. Voilà. Ou ça donne ça. Sinon, ça donne ça. Voilà. Ça peut donner ça. Ah, je vous le fais, montre vite fait par rapport à ça parce que c'est ça va pas modifier tout mon personnage. Casque de moto, voilà. Casquette, ça c'est pas mal aussi. Voilà. Casquette avec les cheveux attachés forcément, donc voilà. Casquette militaire. Casquette militaire avec bijoux et qu'on peut changer de couleur, par exemple là-haut. On peut modifier la couleur autant qu'on veut, voilà. Voilà. Voilà, dans chaque chose, on peut changer les couleurs. Et donc, je vais revenir. Voilà, il y a ça encore. On peut changer aussi les couleurs à volonté. Et ensuite, je reviens à ma casquette parce que j'aime beaucoup cette coiffure. Et donc, je vais reprendre ma couleur pour aller avec mes vêtements. Voilà, vous me direz ce que vous aimez. Enfin, vous me direz dans les commentaires si vous aimez les maillots de bain, hein. Sinon, je mettrai directement le. Voilà, ça c'est ce que j'ai gagné en jouant jusqu'au niveau 3. J'ai gagné ça aussi. Et donc, là j'hésite entre la veste. Voilà. Nickel, hein. J'hésite entre la veste, le maillot de bain et cette pièce-là. Donc, forcément, comme elle est légèrement ronde, on voit un petit peu les bourrelets, mais voilà, ça me va parfaitement. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais peut-être garder ça pour commencer. La couleur, on va peut-être modifier ou pas, je sais pas. Ça donne ça. Ça donne ça. Ça donne ça. J'aime pas. J'aime pas non plus. J'aime pas non plus. J'aime pas non plus. Noir. J'aime pas non plus. Blanc. Blanc. C'est. Non. On va rester sur ça.
Et peut-être même qu'on va modifier, comme j'ai changé de vêtements, je vais peut-être modifier la corpulence pour voir ce que ça donne. Oh! Non, c'est trop fin. J'aime bien les rondeurs. Voilà, on va rester sur ça. Voilà. Donc, attendez, attendez, attendez. Je crois que... Oh mince, j'ai annulé. Ah zut. Attendez, hein. On va revenir sur ça. Voilà. Donc, j'ai fini pour la tenue. Maintenant, on en arrive aux mains. Ici, on peut mettre les bracelets. D'accord. On peut mettre les mitaines. On peut mettre les gants. Les mitaines comme ça. Mais moi perso, je veux pas mettre parce que je veux garder les tatouages sur les mains et les bagues et les trucs, les accessoires de bracelet. Si je mets une mitaine longue, ça va tout cacher et ce sera pas du tout à mon goût. Le pantalon, on a toutes sortes de pantalons qui est là, hein. Je vais pas tester parce que sinon voilà, ça c'est mon choix à moi. On a les shorts aussi, c'est pas mal. Oh, j'ai pas vu jean déchiré là. Tiens, on va tester. Allez. Oh my god. Ah non! Ah non, ça donne pas derrière. Non, on va rester sur ça. Allez hop. Voilà. Donc, ça, c'est les pantalons. Les chaussures, on a un peu de tout. On a des baskets, des Santiago. Et moi, j'ai choisi les bottines en cuir montante. On a aussi des sandales. Voilà. Et on a aussi les chaussures sans lacets. Bon, ça, c'est un style, hein. Après, il faut habiller dans l'ensemble. Moi, j'aime bien le style méditerranéen. La plage, le soleil et tout. Donc, je sais pas si je vais revenir au maillot de bain. Dites-moi dans les commentaires si vous kiffez les maillots de bain ou si vous préférez ce haut qui s'appelle le col roulé sans manche. Voilà, col roulé sans manche. C'est pas mal aussi, hein, mais voilà, c'est vraiment un choix. On sait pas. Voilà, ça dépend aussi sur le devant de la scène. Quand on joue sur une scène où on est à la plage, forcément, ou quand on joue dans un pays qui, je sais pas, nordique, c'est plutôt mieux de s'habiller, quoi. Du coup, j'hésite encore. On va garder ça pour l'instant, et je changerai en fonction de la couleur de la scène. Je sais pas, là, j'hésite encore une dernière fois. Ok, on va prendre ça. Non, il y a le problème qui est là. C'est mieux comme ça, non? Ok, on va laisser comme ça. Ouais, on va laisser comme ça, voilà. Je vais vous présenter maintenant les... J'ai commencé par quoi là? Oh, les boucles d'oreilles et tout. Donc les casques, on peut mettre aussi le casque. Par exemple, si on prend celui-là. Voilà, ça donne ça. Elle a beaucoup de cheveux, du coup ça se voit moins. Ouais, ça se voit moins. C'est pas terrible là. Totalement pas terrible du tout. Ok, on va faire 100. Voilà. Et ensuite, on va revenir. Ça fait déjà 15 minutes que je présente le jeu. Il va peut-être falloir commencer. Ici, on a... comment dirais-je? On a les bracelets. Donc, on a les maquillages. Ici, pour l'instant, j'ai pas débloqué le tout. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ah, niveau du joueur. Il faut aller très très loin. Sauf si on achète le parc directement à 50 euros. Voilà, c'est un bon business, hein. Ici, on a les maquillages. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose. J'ai ça, voilà. Mais ça fait un peu métal. On va garder juste ça. Voilà, ça me convient parfaitement. J'ai pas besoin de beaucoup de détails, moi. Je suis simple. Et ensuite, on a la danse. La danse, on a ça. Paf, paf et paf. Ok? On a ça qui est voilà. Hip-hop. On a ça. Et on a ça. Et ça qui est très soft. Voilà. Le bonjour et le bonjour de la scène à l'indienne. Et moi je garde ça pour le dynamisme. Ok? Donc voilà, on a fini pour la présentation du personnage. Je pense que je vais rien modifier. Je modifie. Non, laisse tomber. Ok, on va laisser comme ça. J'aime bien le monde de la nuit, le showbiz. On va laisser comme ça. Ensuite, on a le kit de la scène. Par exemple, on a pour l'instant, j'ai débloqué les trois niveaux, donc j'ai les trois scènes. Pour ceux qui ont acheté, ils ont directement les six scènes. Moi, j'en suis qu'au troisième niveau, donc j'ai les trois scènes. Par exemple, ici, on rentre dans cette scène.
Comment on fait pour personnaliser déjà? Confirmer la scène? Non. Ici, on peut voir hein, l'aperçu. Regardez. C'est dommage qu'on ne peut pas voir l'aperçu des musiques. Je vais confirmer la scène pour voir. Pour voir si je sors ou si plutôt je rentre dedans. Ah, on rentre dedans. Ok. Alors, personnaliser la scène. Regardez. On a les couleurs. Ici, c'est tout rose. Si on fait ça, c'est tout vert et bleu. D'accord? C'est dégradé. Si on fait ça, c'est de vert au rouge. Regardez. D'accord? Bon, moi, pour commencer, on va garder la couleur de base. Et ici, on peut mettre le feu, par exemple. Regardez. Voilà, ça, c'est ça. Là, c'est ça. Là, c'est ça. Regardez, voilà. Donc, j'ai 5000 points. Je peux acheter avec mes points. Je vais vous montrer. On va faire un premier achat tout de suite. Juste pour voir, hein, d'accord? Allez, c'est parti. Je vais confirmer. Solde. Confirmer les 70. Et ça nous donne. Voilà. Par rapport à ça qui donne ça. Ça donne pas beaucoup de différence. Ah, deux fois. Une fois. Deux fois. D'accord, très bien. On va garder ça. Tiens. Voilà. Ensuite, ça c'est les effets de la scène. Ça c'est Ah, tiens, on a les pétards, les feux d'artifice. On a les couleurs bleues. Voilà. On a les couleurs rouges. Voilà. Et on a les couleurs vertes. Et ça peut aller vers d'autres encore jusqu'à la fin. On va faire un exemple ensemble. Je vois pas beaucoup de différence, hein. On va prendre le bleu quand même, tiens. On va faire un essai ensemble. Allons-y. D'accord. Ah ouais, ça change. Mais les deux sont bien, hein, regardez. Je crois que je préfère le premier. Non, je préfère le premier quand même. Attention. Ok, on va rester sur le premier. Et par contre, ma scène, je vais garder rouge ou bleu? Non, je vais garder bleu, tiens. Voilà. Ensuite, ici, on a le fond qui est là. D'accord? On a les trois fonds, 1, 2 et 3 qui se trouvent sur la scène. Voilà, on peut faire un aperçu. Regardez, il y a ici sur le côté gauche et ici sur le côté droit. Tiens d'ailleurs, il faut au niveau 15, je suis au niveau 9, d'accord, ok. Tiens, je vais vous montrer. Et ensuite, on va attaquer le jeu, hein, d'accord? Ça fait. Oh my god, ça fait déjà 20 minutes. C'est un peu long, hein, mais bon, je pense que c'est assez complet. Alors, pour envoyer les feux d'artifice en bleu, je pense que je vais modifier la couleur de la scène. Je vais mettre en rouge, comme ça va ressortir mieux. Regardez. Allons-y. Voilà, ça ressort mieux, c'est bon. On va rester avec ça et on va attaquer le jeu. Alors, deux détails énormes dans ce jeu. Il y a énormément de crash depuis 3 jours. Je recommence au moins une 30 fois parce que ça crash. Ça fait deux écrans noirs. Je travaille sur deux écrans pour vous enregistrer. Et j'ai effacé je ne sais pas combien de nombre de vidéos déjà entre les droits d'auteur et tout. Mais en fait, il n'y a rien à faire. Donc voilà, deux points faibles du jeu. Pas de monétisation possible et beaucoup beaucoup de crash pour l'instant et il n'y a absolument rien à faire, on peut rien y faire, voilà. Donc on va jouer, je vais simplement mettre le jeu en ligne pour vous et puis moi je regarderai aussi pendant les vacances et ça nous permet d'écouter de la musique malgré tout, mais ce sera pas monétisable, ok? Allez, c'est parti, on va commencer le jeu. Mode campagne et je vais recommencer depuis le départ pour vous. Allez, on commence le premier chapitre avec Bienvenue dans Fuser, bienvenue au festival, laisse Danny Humble t'enseigner les ficelles du métier. Alors je vous dis tout de suite, hein, très sincèrement, là ça fait déjà 20 minutes, j'ai très très peur que ça crache. Si jamais ça crache encore, je vais pleurer. Hein. Voilà, à chaque fois qu'il y a un écran noir comme ça, je flippe. Donc je vais essayer de faire chaque vidéo cette fois-ci, pas comme médiéval. Médiéval, je fais sur 1 heure, mais là, et 40 Ah minutes. ouais. Là, je vais faire juste 30 minutes ou moins. Te voilà. Allez. Voilà, lui, c'est notre manager du premier niveau. T'entends ça? Là-bas, c'est si démente que je me dis, oh, est-ce qu'il faut les interner? Et ça, c'est son premier set. Le premier. Tu vois,
C'est ce que j'aime dans ce festival. Ici, dans Fuser, n'importe qui peut monter sur scène. Chacun a le pouvoir de créer des mix qui touchent le public. Ah, c'est quoi le métier de la mix? Enfin bref, allons mixer. On est là pour ça, pas vrai? Lance-toi, je vais te montrer tout ce que t'as besoin de savoir. Ok, c'est parti. Alors, premier niveau, la scène, elle est faite. On l'a préparée déjà à l'avance, d'accord? Effet public. On a quand même un effet public, tiens. J'ai oublié l'effet public. Ah, mais je crois que pour l'effet public, il faut payer, en fait. Ok, on touche pas. C'est parti. Alors ici, comme vous pouvez le constater, il y a des F qui sont là. Donc, ce sont des chansons qui sont imposées par Fuser. Ça veut dire que... on est obligé de jouer avec, on peut pas les modifier, on peut pas les changer. Pour l'instant, on a deux listes qui est là. Ah mince, pourquoi je suis fait en arrière? Attendez, excusez-moi. Je parle. Oh mince, oh non, il va pas encore me présenter. Attends, je vais abréger. Hein. Non, on va abréger. Voilà. Voilà. Ici, on a deux listes. Première liste ici et deuxième liste ici. Voilà, d'accord. Donc, on est obligé d'accepter. Et avant d'entamer le challenge, on va devoir visualiser un petit peu. Voilà, c'est immodifiable, donc on va regarder. Il y a du bad guy, born this way, Lady Gaga, don't start now. Je vous laisse lire, hein. Eyes, voilà. Il y a de la dance, hip-hop, rap. Il faut aussi retenir les dates parce que à un niveau supérieur, on va nous demander les dates. Et on est obligé de jouer en fonction de la demande de la clientèle. Voilà. On a du Sean Paul. On a même du country. Et on a du mi gente, genre latino. Voilà, latine caribéenne. Ok, on lance la partie. Allez, c'est parti. J'accepte. Et je commence le set. Voilà, pourvu que ça ne va pas cracher. C'est facile de créer un mix. Essayons. Voilà, ça c'est ma scène en bleu que j'ai choisie. Certainement. Non, je pense que les feux d'artifice seront envoyés vers la fin du set. Installons, voilà. Excellent. Allez, on continue. Installons un rythme. Voilà, ici on a une platine on a une table de 4 platines. Pour jouer un disque, sélectionne une chanson avec le curseur. Chanson qui contient jusqu'à 4 disques. Ici on a le rythme. Ici on a instrument de piano ou de basse. Ici, on a piano ou instrument violon et je sais plus comment ça s'appelle, la rythmique. Et ici, on a la voix, d'accord. Pour lancer un disque bleu, c'est-à-dire ici, les quatre éléments s'appellent des disques, ok. N'importe lequel s'appelle un disque. On demande de lancer le disque bleu ci-dessus ou bien appuyer sur Q. On peut jouer avec les touches. Comment ça s'appelle les touches abrégées. Donc je pense que d'ici vers le futur, quand on jouera en match contre les autres, en challenge contre les autres joueurs, je pense que ça reste un jeu assez compétitif où ça demande un peu de rapidité et de précision. Donc il va nous falloir apprendre à jouer avec les touches. Donc je m'entraînerai en dehors des enregistrements. Voilà, c'est parti. Là, on demande de lancer un disque. Voilà, c'est parti. Ajoutons des basses. Ajoutons des basses, ok. Voilà, le bleu vert. Il va falloir trouver une basse hein, qui est là. Et pour que ce soit bien lancé, il faut que ce soit bien rythmé, sinon c'est pas joli. Hein. Voilà. Font ça avec du synthé, des cordes ou des cuivres. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on peut bien pouvoir mettre? On va essayer ça. Ou ça. Ajoutons de la voix pour la touche finale. Ok,
qu'est-ce que je vais pouvoir mettre. Et maintenant on change tout le mix. Le public va adorer. Voilà, ici on peut avancer et reculer avec les touches. Alors, inclure ton start, non. N'importe lequel. Ah si, non, c'est le rythme. Et bad guy. Alors, cuivre. On a le choix entre deux cuivres, même pas un seul choix. Faut bien lancer au bon moment pour que ça donne bien en fait. Là, on change de chanson. Ça y est, ça commence à nous demander la deuxième liste. Donc la difficulté va monter. Voilà, je pouvais pas lancer avant parce que sinon ça fait pas joli. Inclure au moins un disque de rock. Voilà, là, voilà, ça y est, il commence à nous demander. Super mix. Prends un instantané pour pouvoir l'utiliser plus tard. Un instantané, c'est un enregistrement qu'on peut mettre en ligne avec des gens. Tiens, on va changer de rythme pour voir ce que ça donne. Yeah, ça donne, on tient. On va juste changer le rythme avant d'enregistrer. Je sais pas quoi mettre. Okay. Alors, inclure au moins un disque des années 2000. Les années 2000, voilà, pour l'instant nous laisse beaucoup de temps, mais plus loin dans le jeu, il faut aller très très vite. Hein. Les années 2000, il y a que Sean Paul. Ah, il y a lui aussi. Tiens, on va mettre. Non, c'est un disque. 3 disques. Oh non, j'ai perdu. Oh, j'ai pas vu le temps. Oh non, j'étais bien parti, c'était facile en plus. Ah, j'ai pas fait attention au temps. Tu vois, je savais que t'en étais capable. Ah non, c'est pas noté encore. Mais attention, hein, c'est pas juste. Ah.
Le public, c'est un peu comme une vieille tante qui te file 40 balles et un tricot pour ton anniversaire. Il est gentil, donc tu dois faire attention à lui et lui faire plaisir. Et heureusement, ici, chaque scène est gérée par un organisateur comme moi. On sait décrypter le public. Alors on pourra t'aider à lui donner ce qu'il veut, quand il veut. Bon, tu peux pas lancer une fête sans musique, donc je vais te brancher. Ensuite, rejoins-moi sur ma scène quand tu voudras jouer ton premier set. Et voilà. Et voilà les amis. Alors, on va faire un deuxième morceau qui est là. J'espère vraiment que j'aurai pas de problème de crash, sinon la vidéo sera perdue. C'est un gros risque. Normalement, je voulais faire juste un seul morceau. On arrive déjà à 30 minutes. Très sincèrement, j'ai très peur. On a 2, 4, 5, 6. Non. On va arrêter là, comme ça on va faire deux par deux. Comme ça, ça évite les risques à tout va, d'accord. Voilà, je vous dis tout simplement merci infiniment d'avoir regardé. Et n'hésitez surtout pas à liker ou à vous abonner. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé, si vous allez acheter le jeu, parce que ça vaut vraiment le coup. Mais pour tous les streamers, oubliez complètement le côté YouTube, parce que vous allez vraiment morfler avec des droits d'auteur. Voilà, je vous dis à très vite pour le prochain épisode les amis, ok. Ciao ciao, bye bye, bisous à tous.